sud de l'océan Indien, entre les 40e rugissant et les 50e hurlant, à près de 13 000 km de la France et à 3 000 km de la Réunion, les trois districts de Crozet, Kerguelen et Amsterdam. Cet archipel porte le nom du second de Marion Dufresne, qui, au service de la Compagnie des Indes en 1772, découvrit ces terres perdues. La souveraineté de la France sur Crozet a définitivement été établie en 1931. Terre de nombreux naufrages, ces zones sont réputées pour leurs vents incessants et leurs mers démontées. L'île des Pingouins. Nulle plage ici pour aborder. Seulement des brisants sur lesquels se jeta le Tamaris, bateau parti de Bordeaux en 1886. Littéralement rongée par la mer, est truffée de grottes, suggérant une vie souterraine mystérieuse, à la Jules Verne. Doit son nom aux chasseurs anglo-américains qui, au début du 19e siècle, voyant les manchots pour la première fois, les appelèrent pingouins en raison de l'analogie entre les deux oiseaux. Comme un clin d'œil à l'histoire, le sommet de l'île des Pingouins s'appelle le Mont des Manchots. Au loin, les îlots des apôtres apparaissent dans la brume, telle la crête d'un dragon. Le Strathmore, navire parti de Liverpool, se fracassa en 1875, provoquant la noyade de 40 passagers. Les survivants restèrent sur leurs rochers de fortune, faisant du feu avec des manchots et se nourrissant d'albatros. «
Marion Dufresne, avait donné au groupe d'îles occidentales de l'archipel le nom d'île froide. Les foquiers anglais et américains du 19e siècle appelèrent cette île Hog Island, l'île aux cochons, en raison de l'introduction à des fins alimentaires de ces mammifères. Vivant à l'état sauvage, ces cochons se multiplièrent en se nourrissant presque exclusivement de manchots, ce qui donnait, dit-on, à leur chair un fort mauvais goût. C'est sur l'île aux cochons qu'abordèrent les rescapés du Tamaris à l'aide d'une petite embarcation sauvée du naufrage. Désespérés, ils attachèrent un message au cou d'un albatros qui fut recueilli quelques mois plus tard en Australie, à près de 5000 km de là. Sur la plaque de fer blanc attachée au cou de l'animal était écrit « 13 naufragés français sont réfugiés au Crozet, 4 août ». Avant l'arrivée des secours et à court de vivres, les naufragés décident de fabriquer un radeau de fortune et de quitter l'île aux cochons pour le groupe des îles de l'Est. Ils n'y arriveront jamais. Les secours dépêchés sur place ne retrouvèrent aucune trace des 13 naufragés dans tout l'archipel. La manchotière de l'île aux cochons est la plus grande du monde. Les comptages réalisés à partir de photographies aériennes ont permis de dénombrer plus d'un million d'individus. Les taches brunes, vues d'hélicoptère, sont autant de crèches à manchots, boules de poils brunes, qui n'ont pas encore revêtu leur habit de gala imperméable. En raison de cette richesse exceptionnelle, l'île est classée en réserve naturelle intégrale. La pointe des moines et la mythique roche percée. Les pans inclinés de la roche rappellent les coiffes d'une procession de capucins. C'est l'un des endroits de l'île les plus exposés au vent des 40e rugissants. Ce vent, commun à l'ensemble du territoire, semble être à l'origine de cette impression de pureté de l'air dont sont exempts odeur et parfum. Sur l'île de la Possession, la base Alfred Fort qui surplombe la baie du Marin.
Ici, c'est l'univers des pétrels, albatros, damiers, prions, manchots, orques et quelques hivernants, techniciens et scientifiques qui, pendant un an, vont faire vivre la base. En remontant vers le nord de l'île, le cap Chivo, appelé ainsi depuis l'expédition de l'Antares en 1931, du nom de l'enseigne de vaisseau Chivo, qui participa alors à des travaux hydrographiques. Un peu plus au nord encore, le Morne Rouge. Son nom originel, le Red Crag, a été donné par les foquiers américains et anglais du 19e siècle, puis il a été francisé devenant le Morne Rouge. Dans son cratère égueulé se trouve un petit lac, le lac sans nom. De part et d'autre du Morne, la baie américaine. Anciennement appelée America Bay par les foquiers, en souvenir d'un de leurs navires, l'America. Son nom est souvent abrégé par BUS, ou bien bus. On retrouve encore des chaudrons de cette époque, triste vestige d'un passé, qui a décimé des populations entières d'éléphants de mer. En arrière de la baie, la vallée des Branloirs est la plus vaste vallée de l'île. Elle est traversée par quelques processions de manchots royaux. Le tapis tourbeux, que forme la végétation, ondule sous les pas des promeneurs téméraires. En face de l'île de la Possession, les brumes masquent l'île de l'Est. Inaccessible obsession des hivernants de la base Alfred Fort. Mystérieuse, elle est constamment observée par les hivernants dont elle alimente les rêves. L'archipel des Kerguelen est composé de plus de 300 îles, d'une superficie comparable à celle de la Corse. Anciennement appelée île de la Désolation, découverte en 1772, leur reconnaissance définitive remonte à 1893. C'est par les îles nuageuses que l'officier de la marine royale, Yves de Kerguelen de Trémarec, est passé une première fois en 1772. Et une seconde fois en 1774. Ces îles revêtent constamment un chapeau blanc, d'où leur nom, à quelques exceptions près. Puis, il a sans doute aperçu l'Arche, l'endroit le plus mythique des Kerguelen, ou du moins le plus connu. L'Arche se trouve à l'extrême nord de la Grande Terre. Elle s'est effondrée, d'après les récits, entre 1909
et 1912, soit entre le premier et le deuxième voyage de Rallier du Baty dans l'archipel. L'abbé de Loiseau, appelé aussi Paul Christmas, c'est ici que Kerguelen prit possession des îles au nom du roi de France au cours de son deuxième voyage. La base de port aux Français a été créée en 1949. L'accès se fait par la passe royale, porte d'entrée du golfe du Morbihan. Les noms des îles, presqu'îles, montagnes, évoquent bien souvent la Bretagne. Changement de décor par rapport à Crozet, un ruban d'asphalte déroule ses 4 km, la route 66, sillonnée par quelques voitures qui conduisent à la station météo et au site du Centre national d'études spatiales. Qu'il soit manchot, éléphant de mer ou grand albatros, les animaux vivent principalement en mer et viennent se reproduire sur les îles. Dans l'eau, ils évoluent au milieu d'un écosystème marin composé principalement d'algues aux couleurs rougeâtres et étincelantes. Côté des éléphants de mer, vit le cormoran impérial, reconnaissable grâce à ses deux caroncules orangés et ses yeux d'un bleu azur. Les manchots royaux ont aussi élu domicile à Kerguelen. Des centaines de milliers de manchots royaux sur tout l'archipel. L'éléphant de mer est le plus gros des pinnipèdes. Il peut mesurer jusqu'à 5 mètres et peser jusqu'à 3 tonnes. Les mâles sont polygames et constituent des harems de 100 voire 200 femelles. Ils défendent avec hargne et violence leur territoire que les jeunes mâles essaient vainement de s'approprier. Tout autant qu'en Bative, les otaries de Kerguelen ont été pratiquement décimées au début du XXe siècle par les chasseurs de phoques. Désormais, elles coulent des jours paisibles à Kerguelen. Les manchots papous viennent également se reproduire à terre. Après la ponte de l'œuf, la femelle part en mer afin de se nourrir et retrouver des forces. Pendant ce temps, le mâle défend bec et ongles sa progéniture. D'autres oiseaux, tels le kionis, le canard d'Iton, le goéland dominicain
ou le lab antarctique font partie également du paysage local. En remontant la rivière du Sud, on arrive au lac supérieur, dans le Waldstuder. Ici, les eaux déclinent toutes les teintes de vert, de brun, de sable. Spectaculaire, la calotte glaciaire Cook culmine à 1049 mètres. Un sommet bien plat d'où dégoulinent des langues de glace. Battu par des vents katabatiques, le glacier domine un paysage de lacs de fonte, d'îlots, de fjords, de moraines, qui semble appartenir à une autre planète marquée par les ocres. Les modifications climatiques qui bouleversent notre planète se font sentir aussi dans cet endroit du monde aussi reculé que protégé. Depuis les années 70, les scientifiques constatent un retrait rapide et continu de l'ensemble des fronts glaciaires. Le glacier Ampère, dans le sud-ouest de l'archipel, n'échappe pas à la règle. Et la position de son front se situe actuellement à près de 5 km de la position des années 70. Des tourbes mises à jour par le retrait des glaces ont été datées au carbone 14. Elles démontrent que la zone du front était déglacée il y a 10 000 ans. Ce n'est donc pas l'ampleur de la déglaciation actuelle qui est exceptionnelle, mais plus vraisemblablement la vitesse à laquelle celle-ci se produit aujourd'hui. Un voyage à Kerguelen est un voyage dans le temps et dans l'espace, où le paysage échappe à toute référence terrienne. Du glacier, on débouche sur la baie irlandaise en longeant la vallée des merveilles. Un nom évocateur. Jean-Paul Kaufmann, dans son livre L'Arche des Kerguelen, s'émerveillait ainsi. Du col de la Soufflerie, nous dominions la vallée des merveilles. Un prodige de paysages inconnus s'offre alors à nous. Désert, lac, colline, fleuve parcouru par le frisson mystérieux d'une brume qui fait vibrer l'air tamisé de courants chauds en forme de volute. Ces plaines silencieuses, cette eau boueuse qui dégoûte lourdement du glacier, ces rios solitaires, ces donjons noirs décapités, ces prairies verdoyantes sont colorées d'une lumière céruléenne, comme si on les avait plongées directement dans la cendre pour les sécher ensuite au soleil.
Port Couvreux est un lieu chargé d'émotions. C'est là que quelques bergers tentèrent de s'y installer dans les années 20. Emmenés par les frères Bossière, qui avaient obtenu du gouvernement français la concession exclusive des îles Kerguelen pour 50 ans. Les bergers se succédèrent, mais leurs conditions de vie étaient de plus en plus précaires et trouvaient du fourrage pour les moutons l'hiver, sur la terre gelée, demandaient des efforts démesurés. En 1930, des décès survinrent dus au beriberi et l'expérience échoue. Une intensité dramatique hante ces lieux en permanence. En face de l'île Longue, l'historique station baleinière norvégienne de Port-Jeanne d'Arc. En 1906, les frères Bossière font appel au savoir-faire et aux capitaux des Norvégiens afin de développer l'activité baleinière. Ce sont eux qui construisent la station de Port-Jeanne d'Arc et la gèrent pendant ces quelques années d'activité. En 3 mois, 300 Norvégiens édifient une véritable petite ville. La production d'huile commence en 1907. L'usine tourne tout au long de l'année avec une centaine d'ouvriers et de cadres norvégiens. L'activité interrompue pendant la Première Guerre mondiale est reprise en 1919 par une compagnie du Cap. En 1926, l'usine ferme définitivement en raison de la raréfaction des baleines et des éléphants de mer surchassés, mais surtout en raison de la création des navires-usines qui traitent à bord les baleines. L'usine était parcourue par un petit train, Decauville, utilisé pour le transport du charbon et des objets lourds. Des constructions d'origine, il ne reste qu'un tas de planches. Afin de valoriser ce patrimoine historique des terres australes, 3 bâtiments, dont une porcherie, ont été restaurés en 2000. Tous les matériaux qui ont pu être sauvés ont été réutilisés lors de la rénovation. Les autres ont été remplacés à l'identique, y compris la peinture venue de Norvège. À quelques milles de là, gît une épave de bateau dont la coque est déjà bien en dentelle. La peinture de l'Espérance n'est plus qu'un vague souvenir et révèle un premier nom de baptême, Alberta. Bâtiment abandonné entre l'entre-deux-guerres lors de l'évacuation de Kerguelen. Habituellement, la violence des éléments disloque ces cadavres marins et efface toute trace rapidement. La côte sud de la baie a un relief accidenté, où les montagnes prennent des formes singulières, d'où leur nom expressif, la tête d'homme, les oreilles de chat, le pain de sucre, le pouce. Le mont Ross est le point culminant de l'archipel. Une arête dentelée relie le grand Ross au petit Ross. Du haut de ses 1850 mètres, il domine tous ces paysages, aussi désolants qu'incroyablement attirants. Une beauté encore sauvage, préservée.
Amsterdam, dont la France a définitivement pris possession en 1892, doit son nom au navigateur hollandais Van Diemen, qui donna à l'île le nom de son bateau, New Amsterdam, en 1633. Amsterdam est le sommet émergé d'un volcan marin, dont une partie s'est effondrée, laissant une falaise abrupte de 700 mètres de haut. La pointe d'Entrecasteaux tire son nom d'Antoine Bruny d'Entrecasteaux, envoyé à la recherche de la Pérouse avec les navires La Recherche et L'Espérance. La pointe d'Entrecasteaux est le lieu privilégié d'observation des albatros à bec jaune et fuligineux qui nichent dans la falaise. L'albatros d'Amsterdam est une espèce endémique de l'île, dont l'unique site de reproduction actuel est le plateau des Tourbières, à 600 mètres d'altitude. Plus petite et plus arborée que la base de Kerguelen, la base Martin de Vivier. Protégée par une haie de cyprès, le seul arbre d'étaf, le filica. Endémique à Amsterdam, cet arbre peuplait toute l'île au XVIIe siècle. Entre 1988 et 1994, 8000 jeunes plants de filica ont été plantés sur l'île. Les vaches ont été introduites en 1870. Un colon réunionnais, Hurtin, tente d'y installer une ferme. Venu avec sa famille et ses 4 employés, il construit une maison en pierre et entreprend des cultures. C'est lui qui aurait importé les bovins. Seulement, un an après, il décide de quitter l'île, laissant les bovins à l'état sauvage. On en compte un peu moins de 500 aujourd'hui. Une clôture sépare l'île en 2 secteurs, l'un où les vaches sont autorisées à paître, et le second qui retrouve peu à peu sa végétation d'origine, les filicas et les cystes. De nombreux cratères rappellent une activité volcanique pas si lointaine. Le tunnel de lave effondré, qui part du cratère Vénus inférieur, accueille des jardins potagers bien verts.
Dans ces endroits protégés des vents, les arbres poussent, dont des pommiers en fleurs qui donnent les meilleures pommes qui soient. Ces arbres ont une cinquantaine d'années. On en retrouve au cratère Antonelli, à une demi-heure de marche de la base. Une cabane blanche surplombe ce cratère, dans lequel une véritable petite forêt s'est développée. Les otaries, ces petits phoques à fourrure, ont bien failli disparaître en raison de la chasse, de la même manière que la kerguelen. Elles sont aujourd'hui 40 à 50 000, alors qu'il n'en restait moins d'une centaine lors d'un comptage effectué en 1956. Les femelles viennent à terre pour mettre bas à partir de la fin septembre. Elles allaitent pendant 4 mois, alternant entre voyage alimentaire en mer et nourrissage du petit. Située à 80 km au sud d'Amsterdam, l'île inhabitée de Saint-Paul est un formidable volcan à demi immergé. Paradis des otaries, des gorfous sauteurs et des langoustes. Le versant externe du cratère, s'étendant à l'ouest et au sud, est faiblement pentu, tronqué par des falaises de 20 à 100 mètres à l'approche du rivage. La passe peu profonde interdit l'accès du cratère aux navires les plus imposants. En 1871, la frégate britannique Migaira s'y jeta, s'échouant volontairement après une voie d'eau pour éviter à ses passagers de se noyer. En 1928, les langoustes de Saint-Paul attirent aussi la convoitise de René Bossière, qui chasse déjà les phoques et les baleines autour de Kerguelen. Une société, la Langouste Française, est créée et une usine est installée au bord du cratère. Malheureusement, des événements tragiques marquent la deuxième et la troisième campagne de pêche. En 1930, 4 des 7 gardiens bretons qui gardaient les installations pendant l'hiver meurent du scorbut. En 1931, c'est une épidémie de beriberi qui fait des ravages mortels. L'îlot de la Roche-Quille est situé à l'entrée du cratère. C'est le seul site encore intact de Saint-Paul. Malgré sa proximité avec l'île principale, seulement 150 mètres, il est exempt d'espèces introduites et sa surface constitue un refuge pour la plupart des espèces d'oiseaux endémiques. C'est à partir de lui que la faune sauvage recolonise Saint-Paul. Après l'éradication des rats et des lapins, menée par les terres australes et antarctiques françaises. Thank you.
Des colonies d'animaux par milliers, des paysages à couper le souffle. Les terres australes sont de véritables sanctuaires écologiques. C'est tout naturellement qu'elles sont devenues en 2006 la plus grande réserve naturelle française. Ce sont les terres extrêmes du bout du monde.